السلام عليكم دائما في اطار تذكير بالمفاهيم ديال السنه الاولى باكالوريا أه وبعد ما شفنا اربعه ديال لي فيديو الاولى شفنا فيها لا كونتيتي مع أه لي سوليسيون اكوز وفي الفيديو فيديو الثانيه شفنا لا ديليسيون مع لا كوندكتيفيتي ومن بعد دزنا للطابلو دافونسمون وفي لا كاتغان فيديو شفنا لوكسيد ريدكسيون الكور جي رابلي لو كور كيفاش تكتبوا لي دوني كواسيون اكسيتيرا بيلون Et maintenant, on va appliquer ce qui a la vidéo 4, deux exercices d'ailleurs étaient dans la la fin de la vidéo. Voilà, vas-y, on va commencer l'exercice 1. On va lire l'exercice, la réaction de l'acide chlorhydrique. Au fait, l'acide chlorhydrique, la formule d'ailleurs, elle est H3+Cl-. H3+ à d'arrêt de c'est N-, la solution d'acide chlorhydrique. C'est que euh, Et tu réactions, mettons, en jeu les deux, les deux couples. Attends, on a les deux couples. On a introduit un morceau de zinc impur de masse M égale à 5 g, dont, dont V égale à 200 ml de solution molaire, au oxonion Mais il y a molaire, ça veut dire une mole par litre. Et dans la concentration de la solution, il y a une mole euh, par litre. D'accord Adiyamoler. Ou lié au oxonium, il y a H3 ⁇ Il c, la concentration de la solution, alors il y a c, la concentration de h ⁇ elle est il y a un coefficient ici. 1. j'ai expliqué ça dans la première vidéo, il la quantité de matière. Dima la quantité de matière, ou la concentration de l'espèce fluide une solution aqueuse, alors il y a le coefficient qui est 1 fois C, avec C, c'est la concentration de la solution. Écrire l'équation de la réaction se produisant. Donc, je commence la correction ici, la première question. Écrire l'équation. C'est que tu me l'as une équation. Là, l'oxydation, le réducteur ou l'ion ferre. Donc, ma fille a besoin de l'ion stral, les espèces l'ion oxonium, mais Zn. Mon ion ferre. Donc, moi, je vais dire à l'essent. Zn solide, deux flèches, t'as fait un Zn de plus, plus deux électrons. Bien sûr, on va appliquer les règles que nous avons mises pour équilibrer l'équation. On oxonium, l'a vu dans le cours. Au lion oxonium, À la vidéo précédente, ce on a nous avons en compte que cette équation, une équation est très importante. Est 2H3 plus, plus 2 électrons, cest à H2 gaz plus 2H2O liquide. D'accord Akid, sûr, nous le nombre d'électrons libérés et le nombre d'électrons acceptés, donc de l'un le plus petit multiple commun des deux. Donc, on l'équation bilan. L'équation Béland Bélan s'écrit. On dit deux points. On écrit Zn solide plus 2H3 plus que Une seule flèche. Zn de plus que plus H2 gaz plus 2H2O liquide. D'accord A à la première question. Pour la deuxième question. La deuxième question, quel est le pourcentage massique du zinc Et on a on a la deuxième question, dit, mais le pourcentage massique, c'est la masse d'elle pur, elle la masse de l'échantillon. Il y a un échantillon qui n'est pas pur, ça veut dire, que observez les espèces, le pourcentage d'une espèce parmi toutes les espèces, alors Il y a la masse de l'espèce qui est la masse de l'échant. La masse de l'échant est aussi 5 g, qui est le zinc impur. Il y a le zinc qui est le plus important. La masse, c'est la masse de l'impure. La masse de l'impure, c'est la quantité de matière finale de l'échant qui réagit. D'accord On va voir si on va voir X max. Euh, là, il reste 0,05 mol par litre, ça veut dire, mol liant oxonium, ça veut dire que le réactif limiteur est ZN. Donc, Xmax, max, va la quantité de matière réagie le zinc pur. Mais il y de la masse pure. Et alors, vas-y, on va faire la deuxième question. On va le tableau d'avancement. Les espèces ZN solide plus ZN. 2H3O plus queue, une seule flèche, H2 gaz plus Zn solide plus 2 H2O, liquide. D'ici la première ligne qui va faire l'équation, les trois lignes qui faire l'état du système. On a l'état initial, on a en cours de la réaction, on a l'état final. On peut X égal à 0, X, max. واحد اخر غادي يدير تي تي كالا زيرو تي تي فينال سي لا ميم شوز واحد اخر يقدر يزيد جوج هنايا يدير ايطا انيسيال وعاد هنا لافونسمون اكس كوم فو بولي ولكن من الاحسن نديرو ان طابلو دافونسمون تخي تخي سامبليفي لان هو الهدف ديالنا في هاد في السنة الثانية ماشي هو طابلو دافونسمون انما استغلال ديال طابلو دافونسمون هنا غادي نديرو ان انيسيال دو زيدان ان بيور كي غياجي ان انيسيال دو اش 3 بلس هنا زيرو زيرو هنا

n initial de H3 plus moins du x alors j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente n x x est une ouais ouais n initial de ZN, moins x max n initial de H3 plus moins du x max x max x max d'après le texte le réactif limitant donc d'après le texte le réactif limitant limitant et Zn d'accord est car il reste 0,05 ou la négule N final de h 3 plus est différente de 0 qui est égal à 0,05 mol qui est différente de 0 donc automatiquement elle a le réactif limitant d'accord Radin va l'expression de N final de h 3 plus à quoi est égal D'après le tableau d'avancement, c'est n initial de H3 plus moins 2 x max. Donc x max ou les 2 x max égale, je suis là, et Il y a n initial de H3 plus moins n final de H3 plus. D'accord N initial moins n final de H3 plus. Donc x max égal à n initial de H3 plus moins n final de H3 plus sur 2. On va initiale de H3+. Une initiale de 3 la concentration fois le volume, C fois V, LH, et a la formule de l'acide chlorhydrique, La quantité de matière initiale de l'H3+, la solution, c'est C fois V. D'accord LH, a la coefficient ici, c'est 1. Ou là, qui est égal à H3O+, directement de la coefficient fois V. Et y la solution, est les molaires en ion-oxonium. Ça veut dire ou la formule de la solution, alors la concentration de l'H3O+, ici, c'est 1. D'accord une mole par litre. Donc, il suffit un an. nous 210 à la puissance moins 3 fois 1 moins 0,05 sur 2. Donc, x max est égal à. On va dérouler les calculs. On va dérouler de calculs. Il y a 0,2. 0,2 moins 0,05. Faites les calculs, s'il vous plaît. 0,2 moins 0,05. Égal. Il par pas 2. Voilà. Et il y a. 10 moins 2 bon adie à dire x max d'accord le n va délimcher ou le le mais c'est un problème à l'aise de on cherche la quantité de matière euh, euh, la masse réagie, la masse pure donc on a n initial de Zn égal à x max à l'aise de n initial de Zn moins x max égale à zéro. et le réactif limitant, d'accord Et ni n a m pur de zinc Elle a la masse molaire de zinc égale à x max. Et ni la masse pure de zinc égale à x max fois la masse molaire de zinc. d'accord Donc la masse pure de zinc égale a x max, donc à va dire qu'il y a m pur, c'est la masse. La masse, donc puisque c'est une notation nouvelle, donc c'est mieux dire que j'ai utilisé m pur, d'accord m pur, la masse du zinc pur, d'accord Donc mp zn égale à combien Xmax, max, on va le faire à 7, on va 2. La masse, donc, euh, le pourcentage donc à le pourcentage voilà, c'est ça donc le pourcentage le pourcentage massique le pourcentage massique de zinc et la la masse de l'échantillon il y a 98 0,98 à peu près, d'accord Exercice 2 et là on va lire l'exercice on dissout 1,6,24 g de sulfate d'argent Hg2SO4, dont V égale à 50 mL en distillée. de cuivre métallique et allons ajouter à cette solution et donne si on a une solution aqueuse, il le sulfate d'argent, et il a le cuivre. Ou Galuna, bien on a dit, qui la réaction de Keynes Écrire l'équation de la réaction se produisant. Et Galuna, du cuivre, attention, Galuna, on a un à 6,24 g de sulfate d'argent, donc V doit distiller du cuivre métallique, et alors ajouter à cette solution. On a les couples, au moins les données. Les couples, donc, on va dire que les espèces les plus grandes. Les plus Il n'y a pas d'argent dans le monde. Et les Donc, automatiquement, l'équation de la réaction, on va dire les deux équations sont les plus grandes. AG plus plus électrons nous donne AG. C'est facile. avec que solide. On va dire que les deux équations sont les plus grandes. CU solide deux flèches, c'est de plus à que plus deux électrons, à des l'équation bilan de la première question, donc l'équation, l'équation, bilan, s'écrit, on a un seul électron, on a deux électrons, le plus petit multiple comment Il y a deux, donc je dois multiplier la première par deux, donc deux Hg+, plus à que, plus Cu solide, une seule flèche, 2 ag solide plus Cu de plus à que. a l'équation B long. La deuxième question. La deuxième question, est, sachant que l'ion argent constitue le réactif limitant, quelle masse M d'argent métallique obtient-on On dit le tableau d'avancement. Le, 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 le tableau d'avancement 2AG plus, plus CU solide TATNCU de plus AQ plus 2AG solide donc à la colonne ZEDA c'est pas la peine de l'affaire. La donc on a fait ça. D'accord Voilà. Euh, Brina la quantité de matière, donc déjà, l'état initial, état intermédiaire, où là, on court, on cours on a l'état final, où la t est égale à 0, t, t final. La quantité de matière initiale de Hg+, n initiale du Cu, 0, 0. n initiale de Hg+, moins du x n initiale du Cu, moins x, x, x. N initial de Hg, moins 2xm, N initial de Cu moins xm, xm, xm. Avec xm, c'est xmax. De la a la masse de l'argent métallique formé. Donc, ça, c'est la quantité de matière formée de Hg. Donc, N formé, l'état final de Hg, égale à xmax. D'après 2xmax, pardon, 2x, il donne 2xmax. Donc, désolé. 2x max. 2x max. D'accord yani Il y a une abrite, donc, à l'ingoule implique M, elle a la masse molaire de HG, égale à 2x max. Il y a une M, égale à 2x max, fois la masse molaire de HG. Donc, il abrite la masse de l'argent formé, à ce qu'il y a de la x max. J'ai juste dit x max, il y a une belle, qui est une or. Hg plus est limitant. D'après le texte, au est limitant, ça veut dire n initial de Hg plus moins 2x max égale à 0. Et nx max égale n initial de Hg sur 2. Et de circle n initial de Hg plus. D'accord? Pour cela, et Nadingolo implique la masse à la masse elle dit.

a queue plus SO4 de moins a queue. Et là, l'indice de l'adaptation, l'exposant de ou l'indice de SO4, c'est 1, donc je une seule charge plus. Je vous la vidéo les solutions à Donc, je vous s'il vous plaît, d'essayer les différentes euh, vidéos ou les gens qui les vidéos

donc, ce qui fait à l'âme, incha'Allah, à zéro. Ça veut dire, la partie des, des, ondes, il y a la partie, la première partie des physiques, on va être chimie, etc. Au fur et à mesure, on va faire le cours, on va les exercices, ou la correction des l'IDS. Donc, jetez un coup d'œil, s'il vous plaît, au, au chauffe-eau. Oui, là, je vais être comme, bien sûr, alors, vous abonner, ou, 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 activer la cloche, parce que comme j'ai dit. Sinon, ce n'est pas la peine. Euh, la, la solution est la quantité de matière initiale de l'AG, l'expérience précédente, ou la quantité de matière de l'AG, la solution de sulfate d'argent, égale deux fois la quantité de matière de l'AG2 et C'est 4 qui est égale à deux fois la masse de على لا ماس مولير ديال اش ديال اش جي 2 اس او 4 دكاغ راه هادي مهمة جدا لا كونتيتي ما دو ماتيير انيسيال ديما راه هي دو فو فوا لا كونتيتي دو دي ماتيير ديال هذا علاش حيت كاين ان كوفيسيون دو ايسي ولا ان انديس دو دي ايسي دكاغ راه باغ فوا لي زيليف ما تيردوش البال حيت هاد لي كوفيسيون تيكونو واحد واحد وتيضلو على انه بحال بحال نو الا كان الكوفيسيون بحال مثلا البيرموغانا دو بوتاسيون ما عندناش مشكل بحال مثلا ان اس ال ما عندناش مشكل

euh, 314. Voilà, donc, on a 300, 314, 314. On va dire que N initial, d'iel euh, d'iel aller, plus peut-être, sauf erreur du calcul, bien sûr, 10 moins 2 mol. On va que le petit mais attention, il ne faut pas distinguer cette masse avec cette masse. M, la masse M1. D'accord Rectifiez, s'il vous plaît. Donc, juste, c'est M1 de Hg. Donc, on va M1. 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 D'accord Donc, on a dire M1. Désolé, juste, on M1. Deux fois, pour ne pas distinguer la masse de l'argent, mais la masse de lhg 2 sur 4. Et la vasique, la masse, la quantité de matière, fois la masse molaire. Donc, c'est égal la masse molaire 10 2, fois la masse molaire a 108, et la masse molaire de l'argent. Attention, de l'argent. D'accord? Donc, M1, à qui il a fait le 4 facettes sur sauf erreur de calcul, s'il vous plaît. Gramme, large. D'accord Voilà, on se à la fin de la vidéo. Attendez, incha'Allah, un, un autre exercice, les OADA. Essayez de dire, s'il vous plaît, que vous les réactions d'oxydoréduction la vos avancements, la quantité de matière, la conductivité, d'accord Comment dire l'exercice là? On charla peut-être demain, peut-être après-demain, à des la correction ou bien sur les acides et les bases, ou les titrages acido-basiques. Du moins les notions. Les retaper jour, fait dans la lune. Bon, qui nous dira une autre vidéo de l'achim organique fin? Sinon, on va le faire tel, 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 tel fin. Charla de la fin de l'année. On dira un rappel. وقبط الهضره على لا شيمورغانيك اما هادشي كلو خاصكم تعاودو هاد لي فيديو غير بشويه سي بلي باش نفهمو مزيان في الشيمي بالنسبه لا دوزيام اني باك فوالا جو فو ميرسي على لا بروشين فيديو ان شاء الله سلام عليكم